Je suis devenue père éducateur parce que avant de suivre des formations, on était en groupe. Il y avait beaucoup de filles, on se parlait entre nous. Et on avait des besoins. Il y avait des choses qui se passaient et on ne savait pas à qui parler. On s'entraide entre nous. Et puis Dieu a fait grâce, on m'a appelé pour des formations. On ne pouvait pas s'y donner nous toutes. Et puis ceux qui ont fait la formation ne nous connaissaient pas. Quand moi j'ai suivi la formation, j'ai vu que ça m'a amélioré, ça m'a aidé. Et je veux aussi aider mes camarades qui étaient dans le besoin avant qu'on ne me forme moi. Quand on me forme, je viens les former. Je vois maintenant que les situations qu'on avait, des problèmes qu'on avait, on se partageait entre nous là. Ça s'est amélioré. C'est ainsi comme on a commencé dès le bas avec des souffrances. On a aussi essayé d'en trouver des solutions à l'aide des formations qu'on me donne moi. Primo, on a l'affaire d'harcèlement là. Ça a cessé. Harcèlement en milieu scolaire, là. Ça a cessé. Secondo, le sexe transactionnel. Les filles se livraient, se donnaient pour avoir de l'argent. Non, ça a cessé. Pour éviter le sexe transactionnel, on m'a formée sur la fabrication des savons, l'entrepreneuriat, en quelque sorte. Et puis je les ai aussi appris ça. Quand on s'entretient nous-mêmes, on essaie de vendre des trucs pour avoir de l'argent. Ça nous suffit largement. Avec le peu que nos parents nous donnent, on ne va plus vouloir aller se donner nos cesses pour avoir de l'argent, non. C'est comme ça qu'on a pu effacer l'affaire de cesses transnationnelles. Encore, on a pu éliminer grossesse non désirée en milieu scolaire. Et actuellement, quand on dit zégromis, on dit jihadep. Après les formations, il n'y a plus de grossesse dans ma localité. Et aussi dans mon établissement, depuis l'année dernière, il n'y a même plus, c'est zéro grossesse en milieu scolaire chez nous. On a aussi essayé de former sur l'autodéfense des filles de notre localité, celles qu'on enseigne ou bien celles qui sont des pères comme moi, il n'y a plus de viol. Parce qu'on nous a donné assez d'outils pour combattre les agresseurs sexuels. Sur le plan, bien le côté de l'agression sexuelle, j'en ai reçu des témoignages. Il y a des témoignages avant et après. Avant, c'était que ce gars-là, il m'a appelé mon petit ami. Après, ça a dégénéré. Il a dit qu'on allait manger. Ça a dégénéré. Il a fait ci, il a fait ci, mais je n'ai pas pu. Il était plus fort que moi. Il a joui de ma faiblesse et puis il m'a violé. Mais après la formation, j'ai reçu deux témoignages. Les filles me disaient que je me suis débattue. Je l'ai fait ci, je l'ai fait ci. Mais il avait mal, mais je n'avais plus pitié de lui parce que lui voulait m'arracher ce que j'ai le plus cher. Là, je reçois des témoignages maintenant qui disent qu'ils ne m'ont plus violée. Il n'a plus joui de ma faiblesse, mais moi, je n'ai plus pitié de lui. Je me suis débattue. Le centre, là, je dirais que on l'a créé pour m'aider. Et la belle, je dis merci beaucoup. Tu nous as beaucoup aidé, tu nous as sauvés. Je ne sais pas si tu travailles aussi avec les hommes, mais nous les filles, on a beaucoup gagné de toi, mais ne nous laisse pas.